Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo pour vous montrer une nouvelle fois, parce que je l'ai déjà fait, comment vous pouvez nettoyer votre broderie estampée une fois qu'elle est terminée. Alors, dans cette vidéo, donc, je vous montre le lavage de la broderie, le repassage, et l'encadrement, voilà. Donc, c'est avec une broderie qui est terminée, mais pas par moi. C'est une broderie que j'avais offerte à ma belle-fille et qui vient de chez VIP Cross Stitch. Donc, je lui ai fait son encadrement. Bon, j'ai un peu galéré parce que la toile n'était pas vraiment à la taille du cadre. Donc, vous verrez que le passe-partout, je l'ai coupé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai même mis du washi sur le passe-partout pour que, que ce soit plus joli. Donc voilà, comme ça, ben pour celles qui ne savent pas comment faire avec leur toile une fois qu'elles sont terminées, ben vous savez tout, voilà. Alors, moi je l'ai fait dans ma salle de bain, hein, vous pouvez le faire dans une bassine, vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. Vous verrez que comment je fais, que je fais deux bains pour tout retirer. Voilà, vous allez tout voir dans la vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, en commentaire, comme d'habitude. Et bah, maintenant, je vous laisse visionner la vidéo. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.
Des petits animaux imaginaires. Bien double face. Ah, ben j'ai plus de mal avec la sienne, hein. Thank you.
Peace.